Alors, ce glaçage, il se compose de crème, donc crème fraîche, liquide. On a du sucre. On a de la maïzena. On a du glucose et de la gélatine. Voilà, donc ma crème est chaude. Je vais incorporer le sucre. Voilà, ensuite le glucose est au micro-ondes. Alors on le passe au micro-ondes pour le manipuler plus facilement, parce que sinon le glucose ça a tendance à coller un petit peu au doigt. Donc l'idéal c'est de le passer au micro-ondes. Ça le rend liquide et ça nous permet de l'utiliser beaucoup plus facilement. Voilà, très bien. Voilà, vous voyez. Voilà, ça liquéfie le glucose et ça permet de le manipuler beaucoup plus facilement. On a notre maïzena. Donc la maïzena, je vais la mettre dans un petit bol. Alors ce que je vais faire à ce stade-là, je vais verser un petit peu de ce liquide sur la maïzena pour pouvoir la dissoudre. Ensuite, je reverse dans mon mélange qui est chaud. Et donc là, on va porter à ébullition notre mélange et il va épaissir légèrement. Voilà, vous voyez, là, ça commence à bouillir. Donc on va bien porter à ébullition pendant 2-3 minutes. Voilà, on incorpore la gélatine. Voilà, on la mélange bien. Et ensuite, ce glaçage, on va le colorer légèrement. Donc là, je vais mettre un petit peu de colorant en poudre. Voilà, donc vous voyez, sous l'effet du mixeur, tout le colorant s'est bien dissous et bien incorporé à notre glaçage. Maintenant, on va le filtrer. Voilà, vous voyez, ça nous donne quand même une petite couleur assez pastel. Donc le glaçage sera transparent. Voilà, donc notre bûche vanille. Donc mousse vanille, crémeux mangue passion et biscuit framboise.